Merci à tous et toutes celles qui sont venues aujourd'hui ici. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie Son Excellence le Président Macky Sall. Je remercie son Premier ministre et son gouvernement. Mais je remercie spécialement celui par qui, Alhamdoulaye Abdoulaye Bibi Baldé, j'ai été nommé DG de la mer. À mon ministre Bibi, à mon frère Abdoulaye et à mon ami Baldé, je lui dis que Allah yobé adjarama. À mes collègues de service, c'est-à-dire ceux qui sont de l'année, je veux nommer le secrétaire général Sahou Diatcham. Je veux nommer le commandant Mamouri Diagne. Je veux nommer ACP Elhadj Dia. Mais je veux nommer aussi ces braves dames qui ont traversé la Gambie pour assister à cette fête. Et je veux leur dire Djeredjen Djef Al Noumbara. Je remercie le maire Abdoulaye Baldé de Jiguinçon. Je remercie son premier adjoint qui est mon ami et frère Seydou Tiané et son bras droit, son premier bras droit, en l'occurrence Paké Babodja, qui n'est plus de notre groupe. Je remercie Mamina Camara qui a eu un souci de vol. Il doit descendre à l'heure où je pars certainement au Cap Sicrim pour assister avec nous demain à la fête de la jeunesse. Je me tourne vers l'ODECA pour remercier Ousmane Saho qui est Tonton Saho, le président de l'ODECA. Je le remercie pas seulement parce qu'il est président de l'ODECA, parce que quelque part je parraine sa structure, non. Je le remercie parce que c'est un homme de parole, c'est un homme digne. C'est un homme qui a des convictions et qui les respecte. Avec ces hommes-là, on peut aller l'esprit tranquille. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a quelque chose avec Ousmane Saho, je lui dis, j'accepte d'avance. Pourquoi? Parce que c'est un homme digne. Et Ousmane, je te remercie beaucoup. Mais on ne peut pas remercier quelqu'un, une personne, sans pour autant remercier son équipe. Transmettez, s'il vous plaît, Président. Mais remerciements, mes salutations, mes encouragements à ceux avec lesquels vous êtes en train de cheminer ensemble pour la jeunesse de Jiguinçon. Je le disais tantôt hier, je le disais à quelqu'un, je lui disais que nous ne sommes pas du même parti, mais c'est des anges qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leur travail pour faire, donner du plaisir, donner de l'ambition à la jeunesse de Jiguinçon. Et ces ans-là, à la Kouli Aline, je serai toujours avec eux, quoi qu'il en soit. Vous êtes bien parce que vous permettez à la jeunesse de Jiguinçon de ne pas aller à la débauche. Et pour cela seulement, nous devons, nous autres cadres de Jiguinçon, vous dire merci. Si nous aimons Jiguinçon, si nous nous disons de Jiguinçon, notre devoir, le seul et unique devoir que nous avions, c'est de vous accompagner. Et c'est pour cela, avant même que je ne sois de l'ANR, avant même que je ne sois secrétaire général et avant même que je ne sois directeur général de l'ANR, j'ai décidé à mon fort intérieur de vous soutenir et de vous accompagner. Inch'Allah, je continuerai à vous accompagner. À chaque fois que je voyage, à chaque fois que j'entre quelque part, ou lorsque j'étais à l'école Mamadou Bayo, je ne pouvais penser et imaginer que je mettrais les pieds dans cet endroit. Je pense aux jeunes avec lesquels je suis sous le manguier et je leur dis Al Noumbara. Je les remercie tous, je les remercie tous tant qu'ils sont. Mais je remercie aussi. Je remercie surtout ceux qui nous accompagnent, ceux qui sont nos aînés, ceux qui nous conseillent.
Je veux nommer Elhaj Mamoudou Sow. Je veux nommer Père Sané. Je veux nommer Ibrahima Ba Foulbé. Je veux nommer Aliou Seydi. Je veux nommer Fassas Badji. Je veux nommer Mac Alpha. Parce que quel que soit ce qui nous lie, je n'oublierai jamais que ce sont mes aînés. Et comme tel, je me dois de les aimer, de les respecter et avoir de la sympathie pour eux. Mais je remercie ceux qui m'aiment, au fond d'eux-mêmes. Je veux nommer Laye Dego Ablaye Diédou. J'aime beaucoup. Je veux nommer et remercier Seydi qui est ici présent parce qu'il m'aime au fond de lui-même. À chaque fois qu'il me voit, c'est avec joie, avec sympathie. Alors je lui dis Adjarama. Je remercie Tassiba, je remercie Grand Guindouz ainsi que Kao, oncle. Je remercie ces dames. À mes sœurs de sang, je leur dis merci. Mais à ma sœur de cœur, Deka, je lui dis aussi merci. Je n'oublierai pas dans ces remerciements-là ma femme. Même si elle ne peut pas venir, aujourd'hui elle est malade, je lui dis merci. Je remercie toutes ces femmes-là. Alors en citant, c'est sûr que nous allons faire quelques discriminations, mais on ne peut pas, quel que soit Alpha, il faut que Ngadou Moroke, n'est-ce pas? Ko rami so anin tamar tan bal kon tan bal jayla ndeyina la wala ndeyina la xani mo la en fait malbe kon ton na tout le quartier de Perissac de Niefoulen de Soukou Papaye ainsi que de Boukot je ne suis à l'aise et je n'ai que du plaisir qu'en partageant ce que j'ai. Je disais qu'un jour à quelqu'un il y a de ça 3 semaines, allez dans mes comptes, vous ne trouverez pas 1 million. Mais je me dis que je suis plus riche que ceux qui ont des milliards. Parce que quand même, le peu que j'ai, je sais comment partager ça. Et ça touche. Je voudrais revenir au président. Parce que c'est une conversation que j'ai eue. Et j'avais demandé si Ignace était là. Parce que je voudrais à la limite avoir un débat à la radio de Jigenso pour parler de ça, parce que quelque part, ça m'écoeure. On parle de renouvellement, on parle des gens qui sont, parce que hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire oh ouais, est-ce qu'on ne peut pas faire le tout pour prendre l'ODECA? Je lui ai dit, prendre l'ODECA, pourquoi? Parce que pour prendre l'ODECA, il faut prendre l'ODECA pour aider la jeunesse. Est-ce qu'il y a un responsable politique de l'APR ici à Jigenso qui a mis son argent pendant les 4 ans pour aider le décal? Il n'y a pas. En dehors de Mamoudou Bari, Doudouka, Moussa Diédou, de Benoît Bokoyaka, il n'y a pas. Donc, nous, je voudrais vous dire que quelles que soient nos divergences, de tendances, de divergences, de partis politiques, on a quelque chose de commun. C'est Jigenso et la jeunesse de Jigenso. Inch'Allah Rabbi, pour la jeunesse de Jigenso, pour Jigenso, en tout cas, tant que je peux mettre ma main dans la poche pour aider, je vais la mettre et j'aiderai. Et je vous soutiendrai, je vous accompagnerai pour que nous aussi, à Jigenso, nous puissions émerger, nous puissions travailler sans complexe. Je voudrais que si la jeunesse de Jigenso aille à Dakar, que ce soit pour des études, que ce soit pour du travail, que ce ne soit pas une jeunesse complexée. Et pour que ce ne soit pas une jeunesse complexée, ils doivent avoir des cadres qui ne sont pas décomplexes. Et la majeure partie de nos cadres, que Dieu me pardonne, c'est des complexés. Nous allons vous accompagner et nous continuerons à vous accompagner. Personne ne m'empêchera de faire et de dire ce que je pense. C'est le fond de ma pensée, c'est ce que je suis en train de dire ici. Et comme vous l'avez dit, on avait commencé difficilement et alhamdoulilah aujourd'hui. La première fois que je parrainais, on avait loué des 7 places avec les DK, avec Aliou Badji, avec quelques-uns de nos amis, ma sœur Yahawa, et nous sommes venus avec le feu que nous avions. Vous nous avez accepté. Vous avez accepté ce que nous avons. Vous avez fait pour que la fête soit belle.
après ma nomination. On a parrainé. L'année où j'étais secrétaire général, je me rappelle, j'ai parrainé deux éditions. La coupe départementale et une coupe zonale. Je l'ai fait pourquoi ? Je le répète aujourd'hui. Je l'ai fait parce que j'avais de la sympathie et de l'amitié pour le président de l'ADECAF, Ousmane Sarr. Et je ne le regrette pas. Au début, lorsque je mettais 500 000, l'année qui suit, je mettais 1 million. Aujourd'hui, comme l'a dit Tico, parce que je ne voulais pas qu'il le dise, mais il l'a dit, j'ai mis 2 millions. Alors, souhaitons que l'année prochaine, je puisse mettre 5 millions. Et je ne vais jamais le regretter. Parce que quand même, vous le méritez. Alors, voilà votre matériel. Et ce que moi, je pouvais vous dire, ce que je peux vous demander, président, si vous êtes en réunion, regardez avec les différents présidents de zone, les différents présidents d'ASC, préparez un projet, c'est-à-dire un projet, une ASC. Mettez ça sur la table, je me battrai pour que chaque ASC soit financé pour faire de leur mieux pour des emplois qu'ils vont pouvoir créer. Alors battons-nous pour ça, une ASC, un projet. Mais que ce ne soit pas un discours politicien, que ce soit un discours qui va vers l'action. Faites ça, discutez de ça avec vos collaborateurs, mettez un projet, une ASC, et nous allons travailler sur ça. Et je vous remercie. Albarka.